Annyeong! Bienvenue sur Monsieur Parapluie! Moi, c'est Julien. Si tu ne connais pas cette chaîne, je parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi de pop en japonais ou en chinois. Aujourd'hui, on va parler de Lovelies, un groupe de la Woollim Entertainment qui fait son comeback avec Lost N, juste la lettre N, found, donc perdu et trouvé. Voilà. J'ai trop hâte de voir ce comeback parce que Lovelies, c'est un groupe que j'aime bien. Elles ont trop des mélodies bizarres, assez surannées. Donc surannées, ça veut un peu dire vieillot, quoi. Mais vieillot dans le sens nostalgique, etc. Je sais pas, j'aime bien le style de musique qu'elles sortent. Je trouve ça super chelou. Parfois, elles font des trucs qui sont un peu cringe, un peu craignos. Et c'est pour ça que j'aime ce groupe en fait. Parce qu'il y en a marre des gens qui font toujours des trucs trop sérieux, trop voilà, nous on est des pros machin. Et faire des chansons un peu rigolotes quoi, parfois un peu fun quoi. J'adorais les groupes genre Crayon Pop, 2PM aussi, quand ils faisaient Hands Up ou Go Crazy, j'aime bien ça. En plus, Lovelies a un lien avec mon groupe préféré qui est. Luna, c'est mon groupe préféré! Bon, en fait, Jaden Jung, c'est un peu un pseudo. Je pense que c'est John Bunky. Bon, ça, on s'en fout. Le créateur, en fait, enfin, le créateur, la personne qui est vraiment derrière le projet Luna, qui a décidé que le groupe, ce serait un single pour chaque fille, en fait, c'est lui qui a créé aussi Lovelies. Il était dans l'équipe de production et de création du groupe Lovelies. C'est pour ça que les Lovelies, enfin, certains membres des Lovelies ont des solos ou des trucs en groupe. C'était déjà ce qu'il voulait faire à la Woollim. Il s'est aussi occupé de 2PM. Et du coup, et de Infinite aussi, donc 2PM quand il était à la JYP, parce que je crois que c'est JYP, au moins ça, whatever. Mais bon, en tout cas, quand on écoute le tout premier album de Lovelies, qui je pense s'appelait Lovelinus, ah bah le son, il est étrangement ressemblant à ce qu'on peut entendre de la subunit Luna One Third, donc un tiers. Qui est la toute première subunit de Luna. Et c'est un style assez cute, etc. Mais quand on entend. C'est vraiment des sonorités nostalgiques. Vraiment, il y a un petit feeling, etc. Bon, maintenant, il fait plus partie de la Woollim vu qu'il est à BlackBerry Creative et qu'il s'occupe de Luna. Néanmoins, Lovelies a continué sur cette lancée. Et donc, c'est intéressant de voir où elles en sont maintenant. Et on va voir ça tout de suite. Donc comme d'habitude, c'est mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, j'expliquerai pourquoi. Si j'aime pas, j'expliquerai pourquoi. Mon avis n'est jamais fixé. Parfois j'aime bien, puis j'aime plus. Et parfois j'aime pas, puis j'aime bien. Ça arrive. Donc on va voir ça tout de suite. Bon allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ouh. Oula, le son. Oh putain, ça a l'air trop bien. Ah là. Trop bizarre. Elle danse avec des bouteilles d'eau. Ah, c'est trop bien. Ah non, c'est des micros. Ah, ça sonne vraiment Lovelies. Je me demande parfois si elles aiment vraiment ce style-là, quoi. Parce qu'elles sont coincées dedans, parce que Lovelies, elles ont un style très défini. Et je me dis, tiens, si on a une qui adore le girl crush, elle est un peu dans la merde. C'est pas idiot d'avoir pris le micro dans la choré en fait, parce que souvent les idoles ont pas des micro-casques, mais elles ont un micro à main. Et là en fait, ils le mettent dans la choré. Maybe not, maybe not. 그 또한 사랑.
Ah, c'est trop beau. Faut vraiment aimer le style Love Liz, mais je sais pas, j'adore. Il y a un truc tellement irréel dans ce qu'elles font, dans le look, dans la gueule qu'elles ont. Enfin, c'est vraiment un style spécial, quoi. Je sais pas comment dire. Il y a une ambiance. C'est une ambiance qui se rapproche quand même un peu des Would You Sign You, donc les Cosmic Girls, je trouve. Mais c'est pas vraiment pareil, mais ça se rapproche quand même. Allez bébé, Lovelies. Eh bah donc, c'était Lovelies avec Lost and Found. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'adore la chanson, je trouve qu'elle est super chouette. Elle est super intéressante parce qu'il y a beaucoup de mélodies qui viennent en même temps. Et c'est ce dont je parlais dans la vidéo de Simon Says de NCT. C'est qu'il y a beaucoup de sons qui viennent dans tous les sens. Mais là derrière, on a une espèce de mélodie qui est beaucoup trop forte d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est plus forte que les sons qu'on a rajoutés derrière. Mais je trouve que ça va quand même mieux qu'à l'inverse. Parce qu'à l'inverse, ça fait dépouiller, vide. Là, ça fait genre surchargé. Mais mieux vaut avoir trop que pas assez, selon moi. La seule critique que j'aurais, enfin j'en ai deux... je trouve que l'idée des micros, elle est pas conne. Ça permet de trouver une chorégraphie, voilà, pendant que tu chantes. Mais j'ai pas trouvé ça très beau. Je crois que les micros étaient pas très beaux et j'ai pas trouvé ça très joli en fait. Je trouve que ça les en... ce genre de chansons, c'est plutôt des chorégraphies avec les bras comme ça, enfin des trucs comme ça, machin. Et là, elles étaient et je trouvais que c'était pas super intéressant. Le refrain non plus, étonnamment, les couplets étaient mille fois meilleurs que le refrain. Le refrain, il était un peu mais. Par rapport à tous les sons qu'on avait, je trouve ça dommage qu'ils y soient pas allés encore plus fort, etc. Mais sinon, c'est quand même mineur, quoi. Le refrain est pas mauvais, c'est juste que genre on aurait préféré un autre un peu différent. Mais en tout cas, ça me fait hyper plaisir de les avoir retrouvés. Je pense pas que ce soit la meilleure chanson de Lovelies. Je pense que je préfère toujours Twinkle ou Destiny. Je trouve que Destiny et Twinkle sont meilleurs. Mais je pense qu'il faut des groupes comme Lovelies dans le décor de la K-pop. Parce qu'on a besoin de groupes un peu comme ça, qui proposent quelque chose de différent. C'est pas hyper original, on est d'accord, ça reste toujours une espèce de cute, genre espèce de fée, je sais pas trop ce qu'elles sont. Mais c'est rafraîchissant parce que finalement elles sortent un peu du lot quoi, malgré tout, parce qu'elles sont un peu ouh, voilà. Et moi j'ai un certain attachement en fait à Lovelies parce que je trouve vraiment que leurs chansons sont sympas, elles sont chouettes. C'est pas tout des tubes, mais au moins tu sais que quand t'écoutes un album de Lovelies, quand t'écoutes un single de Lovelies, t'es dans un mood quoi, t'es dans une ambiance et tout, et t'as pas envie d'en partir parce que c'est super confortable. Et donc toi, qu'est-ce que tu as pensé du comeback des Lovelies? Est-ce que tu aimes ou pas? Est-ce que c'est ta chanson préférée? Ou est-ce que tu en préfères d'autres de leur discographie? Tu peux me dire tout ça dans la communauté du Parapluie, c'est-à-dire sur YouTube, dans les commentaires, mais aussi sur Amino, sur Twitter et sur Instagram. Tu me suscites en envie, uniquement si t'en as envie. Pour moi en tout cas, ce sera tout pour Lost and Found. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.